Qui s'appelle toujours Murray Schafer, parce qu'il n'est pas mort encore. Il vit encore et il enseigne encore, et qui est un musicien canadien, nord-canadien, Vancouver à peu près, enfin non pas à Vancouver même. Et ce musicien a été le premier à poser une oreille sur son environnement, enfin pas le premier à la poser, mais le premier à réfléchir sur ce que c'était. À part de temps en temps, on entend une balle qui siffle derrière dans un film quand il y a un gros effet. Mais vous avez dit, voilà. Au lieu d'installer du son, en fait, on met simplement des consignes qui sont par transparence sur un circuit. Et avec des choses qui suggèrent l'écoute. Bon, là, les choses étant ce qu'elles sont, c'est un jeu de mots que j'avais trouvé il y a quelques années, parce que je ne sais pas si c'est rigolo. Ça, c'est un peu, c'est sur le festival de la sonore en Belgique. Trop d'oreilles qui va reprendre des sons autour, et on va les rediffuser dans une cabine téléphonique qui sera à côté. C'est le genre de. Toujours autour du son de la ville, là, il y a une cabine téléphonique qu'on ne voit pas. Le micro sera planqué là-dedans et c'est l'oreille qui va prendre les sons de la ville et les gens rentreront dans la cabine pour les écouter. Voilà, donc en gros, cette page-là... Voilà, ça, c'est des autres dispositifs, ça, c'est des bambous qui sont plongés dans l'eau, dans une source d'eau. Et là, il y a un stéthoscope et en fait, c'est en fait deux stéthoscopes différents, c'est-à-dire que chaque oreille entend un son différent. Et puis que quand on bouge les choses dans l'eau, on écoute vraiment des choses différentes dans chaque oreille. Moi, le dispositif me coupe un peu de la réalité de son portant. Et puis parce que ça demande des maintenances qui sont très compliquées. Alors que voilà, bon, ça c'est. Alors ça, celui-ci, c'est bon, ça c'est des arsenaux avec les achats d'antenne de marine, donc le dernier posté. Cette partie-là est faite que sur mon boulot, c'est la partie un peu cœur de visite, où il y a des vidéos sur des balades sonores. Alors là, c'est pas la peine d'essayer de les voir, je pense qu'on a ramené cette bande passante. C'est des balades sonores qui sont faites sur Lyon. Voilà, le projet que je vous parlais, ça c'est une cabane construite par un architecte, et c'est dans cette architecture, alors là, il est dans une friche industrielle. Mais là, elle s'est promenée dans un parc urbain et parfois c'est sur une place publique. C'est dans ce style de cabane qu'on met les sons de ville. Donc elle a des fermetures. Non, c'est pas ici. En fait, moi, dans ces installations environnementales, sonore mais environnemental, plus je vieillis, si je pourrais dire, ou plus j'avance, moins j'utilise de dispositifs compliqués, et moins j'utilise de micros et d'amplificateurs. Mais où on est obligé d'aller tendre l'oreille, en tout cas quand l'installation doit rester un moment, pour écouter, ce qui n'empêche pas qu'on peut écouter en groupe, hein, on peut faire des surfaces où on écoute à 10 en même temps. J'aime pas trop les installations en casque, en faisant attention de pas aller à l'envers, c'est-à-dire de ne pas agresser les gens, parce que j'ai eu des installations sonores qui, au bout de 2 jours, avaient été cisaillées et mises en morceaux. Ça veut dire qu'elle est ratée. Non, mais je peux. Il n'y a pas très longtemps encore, on avait monté un projet sur un hôpital de Chambéry, qui devait se faire cette année, et puis qui devait être une installation sonore. Et puis un plasticien avant qui a installé une installation sonore juste avant nous, dans un couloir, où les gens passaient sans arrêt et ils n'ont pas supporté, ils ont justement tous cisaillé. Donc au bout de 2 jours, il n'y avait plus rien qui marchait. Et après, le directeur de l'hôpital, ce qui m'a juste fâché, bon, c'est dommage pour le collègue, mais il m'a téléphoné en disant, dis donc, nous, on ne veut plus finalement d'installation sonore dans l'hôpital. Donc, peut-être ma clé.
Ça fait rien. on fera l'écran en attendant. Donc, on ne peut pas se permettre non plus, pratiquement dans ce genre de choses, on ne peut pas se permettre de proposer des 10 minutes d'écoute parce que les gens, ils n'écouteraient pas. C'est pas comme si c'est avec une image ou si c'est une chose bien construite, c'est quand même fait pour dire, voilà, ça sonne comme ça. Mais en règle générale, c'est assez courant que sur 2 heures ou 1 heure, on garde, quand on arrive à garder 10 minutes, c'est bien. Ou parfois tout. Si ça m'est arrivé de travailler sur des promenades et de couper simplement le clip du début et le clip de la fin, de faire un chant au début, un chant à la fin, et de pratiquement rien toucher à part quelques coups de vent, quelques trucs comme ça. Donc ça, mais c'est comme la photo, pour arriver à un résultat, il ne faudra pas avoir peur de la matière. Mais tout ce qui est récupérable, c'est ce que je disais, j'ai fait des cartes postales sonores pour ce qu'on appelle le Grand Lyon, une communauté urbaine. Je vais travailler sur la métropolisation et où on a essayé de représenter différents milieux, alors événements culturels, événements sportifs, grandes fêtes dans la ville, zones industrielles complètement excentrées, zones rurales pas très loin, etc. C'est des points un peu emblématiques. Et sur 1 heure d'enregistrement, en règle générale, j'en ai gardé entre 2 et 3 minutes. Sur les HD, on doit pouvoir régler le gain progressivement de l'enregistrement. Sur le H4, il faut voir. Mais c'est peut-être les sources qui sont un peu faibles aussi. Ouais. Thank you.
Pas ici où, nous dit-il gentiment, quand on lui ferme le... Quand on lui ferme le clapet. Alors là, l'énorme avantage, c'est que là, on voit le compteur au moins. Parce que sur celui-ci, pour savoir à combien de temps on est d'enregistrement, c'est moi qui suis un peu miro. C'est terrible. Si vous réussissez votre cours, je dois pouvoir écouter et vous dire que vous êtes parti sur telle ou telle thématique sans que vous me disiez rien. Voilà. 1-1-1. On l'utilise. Qu'on a une idée derrière la tête quand on l'utilise. Ou derrière l'oreille. Plus on leur laisse de mou et plus il a de la marge et plus il prend des sons fins, mais par contre si c'est des sons trop forts, il vaut mieux réduire le gain pour qu'elles aient moins de sensibilité, mais qu'on sature moins. C'est... Alors celui-ci, voilà. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut changer la molette. Voilà, il n'y a rien, tout va bien, il est vide. Après, et après dans le menu, c'est là, droite, gauche, pause, pause ou marche. C'est pareil. Si on appuie ici, pardon, on a le menu. Et c'est ici qu'on fait défiler le menu. Format d'enregistrement, moi les trois pour l'instant.
Que
ça sonne mieux. Juste laissant l'essence du sens se perdre dans tous les sens. Et retenons la leçon que le son sonne comme le chant chansonne. Écoute le son, écoute que coûte que le son t'envoûte quand goutte à goutte il s'égoutte, puis s'engouffre dans les voûtes de tes oreilles pendant nos joutes. Avec les mots je joue, tu m'écoutes, tu jouis, je te pince la joue, tu me réponds oui. Les mots de ma bouche j'évacue, tu te douches avec eux, tu n'as plus sommeil, tu fais un bain de sanglaï. Un son tendre peut s'entendre sans tendre l'oreille, ou se tendre les cheveux, ça sonne mieux. Juste laissant l'essence du son se perdre dans l'essence. Et retenons la leçon que le son sonne comme le chant chansonne.
grand mot. Il y a plusieurs formes de design sonore et bon, le mot designer déjà vient de deux mots différents. Le mot désigner, donner une fonction, et le mot dessiner, dessiner une forme, et là on dessine un son. Donc on réunit les deux pour donner une fonction et dessiner un son, mais dessiner un son en fonction de du son, de la fonction qu'on veut donner. Bon, c'est pas très clair, mais le design sonore en fait peut aller dans différentes directions, la signalétique sonore, comment faire passer un message, l'ambiance sonore d'un lieu, d'une gare, la couleur qu'on veut donner à une radio, le jingle qu'on veut pour donner une image de marque, une identité sonore comme on dit. Le design objet aussi qui définit, qui donne une image aussi de qualité, plutôt d'une grande qualité en fonction d'un son. Tout ça sont des designs et pas sont des formes de design en tout cas au niveau du son. Et nous, dans le cas précis, on s'est plutôt attaché à travailler sur un design d'ambiance, c'est-à-dire le design qui pour moi est bâti autour du paysage sonore, puisqu'il fallait le prendre par un bout. Et je dirais qu'un des premiers buts, c'est de l'écoute. C'est d'abord apprendre à écouter, et à écouter pour savoir comment fonctionne un son, comment fonctionne un son dans l'espace, comment on peut percevoir des plans sonores, comment on peut percevoir des ambiances, comment on peut analyser des sources sonores pour les réexploiter ensuite dans une relation son-image ou son-concert ou son-danse, son-chorégraphie, peu importe la pratique. Et donc le but c'était d'abord d'écouter, de se réapproprier des sons, donc toujours en partant de notre environnement, et de les retravailler. Et je pense qu'une fois qu'on a l'oreille ouverte sur le monde, au sens très large du terme, on a gagné beaucoup de choses et on peut prendre des modèles qui existent déjà dans la nature pour s'en servir dans notre propre création. Ça, c'était, je crois, un des plus premiers. Se trouve qu'on est en train de faire, puisqu'on est, aux trois quarts du parcours à l'heure actuelle, un travail assez riche parce qu'il y a vraiment des pratiques qui sont différentes et où moi j'amène mon savoir-faire de bidouilleur sonore. J'ai mis ça dans un programme, c'est un mot qui me convient bien parce que ça ne m'enferme pas dans une catégorie. Le bidouilleur, c'est celui qui va toujours trouver un moyen pour arriver à ses fins. Et en fonction de chacun, et chacun m'apporte autant que j'espère que je lui apporte. Donc c'est plutôt une expérience sympathique. L'avantage, nous en est, on a mon nom, Pandi, on a raconté les formations, on a raconté M. Gilles. Petit Kayan, les autres, la Toa, nous en est, on a dit, on a tenu surtout la Fouti. Ça nous est autre chose, mais ça nous est par la sonore. Ça nous est une nature, de manière à ce que oui, enregistrer mon son, à ce que four, à ce que question de nature. Ça, des écoutes, nous en est partir en ligne des avatars. Nous en est à où on fait ça, nous, mais n'a pas tapé quand les avatars viennent. Ça nous est il faut que les avatars n'a créé. Aveo aona kosa zany na nataonao zany hoe hoentinao reny zavatra nanarina reny inona moa zany hoe afangaronao zany hoe rehefa narina any hoe afangaronao amin'ny zavatra ho ataonao zany hoe ohatrany hoe rehefa diny ataoko dia ahoana zany fahaizako mampiasa an'reny zavatra voaraiko reny anatiny lafiny dia ohatran'izay zany hoe be dia be koa moa zany ankoatran'izay ohatrany hoe zavatra nentina avy tany amin'ny tany misy anazy zany hoe nasehoana anay hoe ohatran'izao any zavatra misy any velany ankoatran'ny hoe zavatra misy eto dia ohatrohatran'izay alohany zavatra hitako a ny tena hoe naliana ana aloha dia ny zavatra ifandraisany kosa nefa ny hoe amin'ny resaka dihy ohatran'le zay zao le hoe nanao an'le expérience hoe resaka hoe misy resaka lafiny mozika dia misy resaka danse dia ahoana zany ny fahaizanao rehefa mpandihanao zany hoe mamoaka feo amin'ny alalan'ny dihy dia zany zavatra zany zao zavatra ohatrany hoe amiko zany hoe mbola tsy nandalovako lizy fa hoe expérience ho anahy manokana dia nafinaritra ilay fiarahana zany atreto ary mihinao fa zany hoe hitondra zava-dehibe zany fivany amin'ny lafiny dihy.
Batombo tsoa manokana no entina azo avy amin'ny atrikasa izany izay natrehana niaraka tamin'ny Monsieur Gilles. Dia voalohany indrindra aloha fa nankekezana kokoa ny tontolo manodidina antsika izany. Indrindrindrindra ny feo izay eno a amin'ny fiainana andavanandro na ihany koa na anivo natiora na anatin'ny natiora mihitsy. Ny fandraisan'izay angambany amin'ny izay mozika atao satria ny tena amin'ny lalao mozika dia efa mozika misy harmoniny ny natiora izany dia izay fomba ilalaovana an'izay sy enona an'izay ary ny ampifandraisana an'izay amin'ny mozika izay ilalaovana ao anatin'ny zavakanto izany no tombony be dia be satria raha ho anahy manokana izao dia manampy anay izy any amin'ny resaka fambonana instrument de musique izay mifanakaiky kokoa amin'izay le mozika avoaka amin'ny natiora izay. Dia angamba miompana kokoa any amin'izay lafin'izay le tombontsoa azo avy amin'le ti atrikasa ty izay izay natrehana niaraka tamin'ny Monsieur Gilles. Amin'ny mahasamihafan'ny tena moa dia ohatra ny sarotra ihany le izy satria tsy lamina izany ihany raha ofezina miteny tsotra dia tsy tokony isy feo hafa mihitsy izany a andravaka azy na hiaraka aminy io izany afa tsy ny feo anao sy ny feo avoaka amin'ny fatanao zany. Dia nefa ilay ao amin'ny design sonore moa mampiasa feo iverany marobe, ohatra hoe feo ana natiora, feo ana tômôbila, feo ana olona mandeha na feo zay mety ho feo izany dia tafiditra ao anatiny daholo. Dia izay no somary hafahafa ihany izany amin'ilay hoe mahasalamaran'ny tena fa hitako hoe amin'ny lafiny ray izany a azo ohatrany hoe ajanona kely le mahasalamaura fa le mahapoeta angamba no tena avoaka. Dia amin'izay lafin'izay izany tsy lamina intsony ny tsotsika azy fa mety hoe poésie sonore ohatra na zavatra sara amin'izany. Dia ny tombontsoa azo be da be satria afaka mitrandraka zavatra hafa izany, mivelatra kokoa ny tontolo azo lalaovina. Dia izay mihitsy hoe tokony manodidina izany efa manana ny feoany manokana, manana ny poeziany manokana, dia na tsefany iny izany ampiana poezia tomonidina ilay izy. Dia izay ireo lasa mamoaka an'ilay poezia sonore ilay izany fa tsy anana tomonina salama intsony. Ny tena moa sady fanaovana poety dia tsy maintsy mijery fomba hafa azo anehoana sy azo lalaovana an'izay poezia zany. Momba an'ilay atrikasa atao izany resaka hoe design sonore atrasa ireonaro izay dia angamba ny hoe izy zany ohatra hoe zavatra efa faheny atra izy raha mandeha dalana na atrano mahery fofony io fa ny vahiny io mazany mahita asianarana izany le izy asianarana dia misy izao ny anarana io dia ianarana antsika le izy satria zavatra efa fantatrytsika ihany le izy fa tsika fotsiny tsy manisy hoe tsy dia tena mifantoka be amin'izy satria eo koa le hoe zavatra sahanao andavanandro angamba fa amiko manokana le izy tsy mifanalavitra amin'ny resaka hoe mozika izany ao anatin'ny mozika hoany tsy voatery hoe misy hoe resaka hoe erotika misy feo voabindra foa fa misy koa ny feo tsotra sy ny feo asy zavatra henao manodidina anao zany tsy angamba hoe hoan'ny olona nomen'andriamanitra ny sofina dia afaka manarena izy dia fandridrana an'izay amin'ny zavatra ataoko manokana sy ataoko miaraka amin'olona angamba hitako hoe zay ny tondrako anazy amin'ny zavatra toka izany izay angamba ny tena hoe tsy ngadana indrindra ny tena zavatra.
Afana, on ne peut pas dire que ça ne l'a pas fait.